suite de l'épisode. Alors, la statue en osier se dresse comme un garde silencieux. Sa présence me met mal à l'aise, comme si je pénétrais dans une interdite. Il doit s'agir de l'ancienne abbaye de Big Hill Lensend, a décrit que Birgit Lensend a écrit dans son journal. Le Cronmaadan. Peut-il s'y trouver? Brigitte a parlé d'une faible lueur, mais tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Chose me dit que j'ai pas les objets nécessaires. C'est sûr qu'à un moment je mettrai de l'huile dans l'huile du tonneau dans ma bouteille. Ah tiens. C'est un dessin représentant une sorte de cercle hérissé de pointe. Est-ce que c'est le soleil ou quelque chose d'autre? On dirait que l'enfant à qui j'ai parlé tout à l'heure a laissé son masque ici, hein, accroché. Je vais pouvoir faire un cocktail Molotov. Le ruban qui était accroché au masque. Pour faire le tour du bordel, mais le ruban qui a été emporté par le vent. Est-ce qu'il voyage? Je peux voir un phare au loin. Ah oui. Ah, il va aller au phare. Bon, bah, on ira au phare. Ah, il l'a enfin chopé. Un ruban rouge, je crois qu'il faisait partie d'un masque d'enfant abandonné, t'as dit. Sûr. Ah, ça devient Alzheimer là, il va devenir sénile le mec s'il commence déjà à dire ça. Alors qu'il a vu le ruban sur le masque il n'y a pas 5 minutes.
Ça craint. En fait, je joue à Papy Simulator. Observation supplémentaire à faire sur le masque de carnaval du mec, du gosse. Non, il est beau. Coutume épouvantable, cet homme d'osier ressemble à un pendu. Alors soit j'entre, enfin si je peux, une réponse. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Peut-être que je pourrais faire un peu plus de bruit pour attirer son attention. Il y a une faible lueur. Un coup de chaîne sur les carreaux. Tu pètes une vitre. Tu balances la bouteille dans, dans le carreau. Oh le con. Des rues de pain. Mettre la chaîne dans la bouteille, ça va faire un boucan d'enfer. Alors on dirait que cet arbre est mort depuis longtemps. Non, qui est sourd. Alors, un phare à la construction solide. Il allait en très bon état malgré les milliers de tempêtes qu'il a dû subir. Comment je peux faire plus de bruit? Je pense qu'il me manque des objets. Au village à l'autre bout de la... Toujours leur cérémonial dans le cimetière ou ils sont barrés? Ah, ils sont barrés. L'institutrice? Non, elle est partie l'institutrice. Ah oui, elle s'est barrée, il faut bien qu'elle aille se coucher. Hein. Les fenêtres sont ouvertes et elle se mettrait un courant d'air froid à l'intérieur. Oui, bah c'est son droit d'aérer. C'était quoi ça déjà?
pas qu'il faille que je mette la chaîne, ça n'a pas de sens. Ah oh, ouais, je peux mettre la rose en terre. Ça n'a pas de sens. Mais attends, ils sont partis où? Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans la barque. Il y a différentes choses que j'ai pas analysées encore. Là où ils enterraient les miroirs. Je préférerais pas me mêler de traditions que je ne comprends pas encore entièrement. Oh! Tout n'est qu'obscurité. Je ne peux rien voir ni entendre. Ah oui, il y avait un cierge qui avait été allumé avant. Je pense qu'il n'est pas dans sa demeure. Ah oui, c'est fermé. Mais je repense à la barque avec de l'eau au fond. Si j'utilise la bouteille pour essayer de découper l'intérieur de la barque, c'est peut-être une bonne idée. Vas-y voir que j'essaye. Non, il se passe rien. J'arrivais à quoi? Ah oui, non, c'est vrai que c'était la. C'était la l'école, l'institutrice. C'est quand même bizarre qu'il y ait une porte de l'école qui donne accès directement au cimetière. Un peu trash quand même, quoi. Et ben je me retrouve là, oui, ben je tourne en. C'est étrange. Ils sont isolés. Bien, je vais, je vais mettre le feu au banc. Ah, une boîte aux lettres. Ah, j'avais même pas distingué. Je crois que c'était un morceau de bois contre un rocher. Alors cette enveloppe est très ancienne. La formule retour à l'expéditeur a été tamponnée dessus. Elle contient une lettre. Cher cousin, je suis malade. Je pourrais te demander de ne plus faire appel à moi, ici, à Aelismore. Ni maintenant, ni jamais. J'aimerais que tu gardes la note de grand-mère. Je crois qu'elle aurait voulu que tu l'aies. Bien à toi, Brigitte.
Il y a quelque chose dans l'enveloppe. Un anneau de fer. Un anneau d'acier petit et fin. On va le fusionner avec la chaîne, si. L'anneau est parfaitement adapté à la chaîne. Ça me désole d'utiliser l'anneau de la grand-mère de Brigitte de cette façon, mais peut-être que je vais pouvoir utiliser le vélo. Maintenant. Sérieux? Les pneus sont trop usés. Je ne pense pas pouvoir m'en servir en toute sécurité, mais la chaîne tourne. Quel était ce bruit? Ah bah oui, que la statue romaine, j'avais même pas fait gaffe que c'était remplacé par un mannequin de paille. Il ne reste de la statue romaine que les morceaux sur le sol. La destruction d'une statue si ancienne pourrait vraiment faire partie du festival. La statue romaine a été jetée à terre et remplacée par une statue enluidée. C'est au village qu'il y a la roue qui reste, je crois. Ah oui, c'est au niveau de l'école. Ça fait longtemps que cette roue est là. On va prendre. Non? Ah. Oh, ne me dis pas que c'est le ruban qui va faire office de pneu. Au sérieux. Utiliser le ruban pour utiliser le vélo. La roue n'a pas besoin d'un autre. Il me manque clairement un objet. C'est le genre de sécurité de chez tout. Ils sont trop poussés.
que je trouve un pneu de vélo. Putain, la vache. Le dôme semble dater de l'époque romaine. Il est en meilleur état que le reste des ruines. En sur dos. Un gros tuyau de cuivre relie la tour au sol. Il est couvert d'algues et de sel. Peut-être entendre. Merde. Il a éteint les lumières, ce coup. Ah, on dirait que cette personne a remarqué que j'étais là. Il était temps. Bonsoir. Est-ce que vous êtes le gardien du fort? Je m'appelle Wakefield. Un étranger. Et qu'est-ce qui peut bien me vouloir? Je suis venu pour visiter Ellis Moor. Ce phare a attiré mon attention. Et puisqu'il est éteint, vous avez pensé qu'il était abandonné? Eh bien, ce n'est pas le cas. Même si je suis presque aveugle, c'est ma maison. J'ai des pigeons qui s'enjaillent sur la vitre là, c'est chiant. Bref, pourquoi la lanterne du phare n'est pas allumée? C'est dangereux pour les bateaux, non? Ne vous en faites pas pour ça, ça fait longtemps que les voies maritimes ont été modifiées pour éviter nos côtes. Maintenant, il est vraiment rare de voir un bateau traverser ces eaux. Après l'accident, le phare n'a jamais été réparé. Il y a eu un problème avec le mécanisme de la lanterne? Exactement. Pendant un après-midi orageux, j'ai entendu soudain un grand bruit là-haut, dans la salle de la lanterne. Le mécanisme d'horlogerie s'était arrêté et la lanterne était éteinte. Je n'avais jamais vu une panne comme ça avant. Je n'ai pas réussi à remettre le phare en marche. Vous avez dit avoir eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à vérifier les lentilles parce que la panne était si bizarre que ça m'inquiétait. Tout d'un coup, la lumière s'est rallumée. Ça m'a aveuglé. Ce temps-là, je ne vois plus rien d'autre que des formes fugaces.
Personne d'autre n'a essayé de réparer la lanterne depuis ce temps-là? Non, ça n'intéresse personne au village. Pour eux, plus Elias Mort est isolé, mieux c'est. Ils s'en fichent des bateaux des accidents, surtout leur donane. Ils pensent que tout ce qui vient de l'extérieur de l'île est une menace. Je comprends. Vous savez quelque chose sur la disparition du fils de Lord Onan? C'était une tragédie bizarre, mais une tragédie quand même. En quoi la disparition de Kerian était si bizarre? Je trouve juste un peu bizarre qu'elle se soit passée si peu de temps avant la réunion. Il est très facile de garder des secrets pendant le festival, étant donné que tout le monde a peur de sortir du village la nuit pendant cette période. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, les gens d'ici sont trop crédules. Ils feraient n'importe quoi pour se protéger de leur peur saugrenue. Ils sont capables d'arrêter de manger du maïs ou de boire du lait, ou même de creuser des tombes pour enterrer leur miroir. Et bien sûr, ils évitent de rester trop longtemps à côté d'un Fernog, parce que les démons sont attirés par l'odeur de sa résine, même s'ils ne peuvent toucher cet arbre. Évidemment, tout ça n'a aucun sens. Écoutez, tout ça, c'est des balivernes. Et il y a un moyen très simple de le prouver. Ne suivez pas leur rituel. Vous ne connaissez pas nos coutumes. Et vous avez marqué une des choses dont je parle? Eh bien, effectivement, j'ai vu un groupe de villageois enterrer des miroirs. Exactement. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver si vous déterrez ces miroirs? Bande de gobelins va sortir des marais pour venir les voler? Thèse. Et la disparition de Kerian, alors? Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas vraiment sûr de ce qui est arrivé à ce garçon. Mais je suis sûr d'une chose, ce festival à La Réunion n'est qu'une farce, et il serait tellement facile de le prouver. Permettez que je monte pour visiter la salle de la lanterne? Même si la lanterne est éteinte, j'aimerais bien en profiter de la vue sur les environs. Eh bien, je ne pense pas que vous pourrez vraiment voir quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, oui, j'imagine que vous montez. Merci pour cette discussion agréable. Il faut que j'y aille. Quelques bûches et quelques cordes de bois de chauffage. Un faible écoulement d'eau que personne n'a essayé d'arrêter a détérioré le manteau de la cheminée et formé un petit bassin. Le portrait du capitaine barbu d'un bateau peint à l'huile. Le vernis a considérablement assombri son expression. J'aimerais pouvoir visiter la salle de la lanterne avec votre autorisation. Oui, d'accord, vous avez déjà mon autorisation. C'est sûrement l'emplacement réservé à la batterie de la lanterne électrique du phare. C'est sûrement le dispositif pour allumer la lanterne, mais la batterie est à plat. Peut-être que je peux trouver un moyen de recharger la batterie. Alors, le mécanisme d'horlogerie assurant la rotation du réflecteur de la lanterne. Mais je crois qu'il en manque une partie. De plus, il aurait besoin d'un peu d'huile. Alors, la lanterne du phare, entourée de 8 grandes lentilles, elle est éteinte. Ah, la petite lueur dans la chapelle, ça correspond à mon avis au reflet du phare dans les... Bon, l'huile, je sais déjà où je vais la trouver, c'est dans le tonneau. Mécanisme électrique servant à stocker l'énergie. Sa partie supérieure ressemble à une sorte de dynamo. On dirait qu'elle a besoin d'être rechargée. Et ben, je vais faire du vélo. Y a rien d'autre à dire avec le. C'est pas le timonier, mais. On appelle les gardiens de phare, il y a un nom. Je sais plus. Excusez-moi, c'est le matin, je me réveille.
le vélo réparé. Je pourrais peut-être recharger la batterie si je reliais sa dynamo. Pignon. MacGyver, le retour. J'ai réussi à recharger la batterie en reliant la dynamo au pignon du vélo. Le problème, c'est qu'il me faut de l'huile et j'ai pas d'objet assez tranchant. Tenons, c'est ça qui m'ennuie. Comment je peux faire? Il m'a dit que je pourrais m'amuser à déterrer les miroirs, il n'y aura pas de gobelins. Allez, en route pour foutre en l'air les rituels locaux. Je vais être très mal vu. Non mais j'ai rien pour creuser moi. Allez, il va à la main. Je ne suis pas vraiment sûr de moi sur ce coup là. Je peux pas ramasser un morceau de miroir, le briser pour que ça coupe bien. J'entame le tonneau d'huile. Il y a toujours rien là-dedans, je présume. Il y a toujours. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'était que ça? Bah dis donc, j'aurais pas attendu longtemps. What the fuck? C'est quoi ce délire? Les miroirs sont complètement cassés. Pourquoi cet homme masqué ferait ça? Merde, je peux pas en prendre un morceau. Avec le ruban. Il faut que je suive cette personne masquée. Je sais pas par où qu'il est passé, il y a déjà... Ah bah. Coucou. Ce qui est classe, c'est que son masque géant... Il y a un levier décoré dans le mur. Alors, une marionnette de taille humaine en bois peint. Elle représente une vieille dame. Mais pardon, je dois pas dire, mais c'est une maison Pokémon. L'intérieur est plus grand que l'extérieur. Ah bon. La lampe d'un théâtre de marionnettes en présentation. Marionnette de taille humaine en bois peint. Elle représente un roi. Ah, attends, on a le roi, la maquille, c'est des gens. Une vieille dame et le roi. Ok. Une fleur céleste en papier, une certaine page. Célèbre enquêteur japonais. Bref, le masque de l'inconnu traîne par terre. Oui, il est stylé. Il y a quelque chose sous le masque.
Un vieux disque en fer, un motif de cercle hérissé de pointes est gravé dessus. Bah, c'est le disque dont parlait la nana là. Alors, j'entends quelque chose errer dans l'obscurité. Je vois une ombre déformée qui se tord et s'agite là-dedans. Je ne peux pas m'en approcher. Si tu peux. J'ai plus proche. Quelqu'un me suit, sûrement. La maison isolée, qu'est-ce qu'elle disait au niveau? Ah oui, alors attends, il faut que je relise ça parce qu'il y a l'histoire du disque. Ah oui, j'ai trouvé les carnets intimes de Tanner à côté d'un étrange disque en fer. La crypte familiale. Alors l'abbaye était dans un tel état de délabrement qu'ils ont trouvé presque dans l'obscurité. Heureusement, une faire un trou dans la sentinelle. Donc il faudrait que je trouve un objet tranchant pour ouvrir le tonneau et avoir de l'huile pour le phare. Et il faut que j'accède à la muselée du cimetière là. L'agitation sur l'île. Ça pourrait servir plus tard. Vilebrequin. Ah! Est-ce que le vilebrequin va m'aider à inaugurer le tonneau? Arrêt. Ah, allons-y gaiement. Devrait pouvoir percer ce tonneau en utilisant le vilebrequin. Un petit peu de bouteille, voilà, pour réceptionner un peu d'huile. Tant que le tonneau est percé, je n'ai plus qu'à pousser la bouteille légèrement dans le trou et j'ai réussi à la remplir d'huile. Et ben, avec ça, je vais pouvoir remettre en état de marche un phare. Allez, go!
C'est où que je dois mettre lui? C'est là, je crois. Ouais. Alors, on va mettre lui ici. L'huile s'écoule à travers un petit trou dans le réservoir. Le mécanisme ne pourra pas fonctionner correctement tant que je l'aurai pas bouché. Merde. Le ruban va peut-être faire office de... Maintenant, je peux huiler le mécanisme sans me faire... En faire pour les fuites. Allez, go. Go, mon grand. J'ai bien huilé le mécanisme, mais il en manque encore une partie. Ah oui, la roue dentée, peut-être. La roue dentée était la pièce manquante du mécanisme. Je l'ai remise en place et le mécanisme est bien lubrifié. J'ai pu le remonter facilement et maintenant il remarche. Hop, allez, je vais mettre la batterie là-dedans. Et attention les yeux. J'espère que la batterie est suffisamment rechargée pour que le phare reste éclairé pendant quelques heures. Attention les yeux. Vite, descend. C'est impossible! Je n'aurais jamais pu pouvoir entendre remarcher mon phare adoré. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis reconnaissant. Ça faisait des années que je rêvais de réentendre ces sons merveilleux. Ça me rappelle les souvenirs d'un temps meilleur. Et la disparition de Kerian, alors? Oui, bah non. Là, il radote. Non, je vais peut-être rester discret. J'avais dit que je resterais discret. Voilà, je savais que le truc allait brûler. La corde a cédé juste au moment où je passais. Ouais, stylé, on va lancer une abbaye, on va voir le signal. La musique du drama. Alors, qu'est-ce qui clignote? Ah, rien. C'est trop bien. Il y a l'ombre portée du... Ah, c'est trop bien fait. L'ombre portée, la silhouette du verbe sur la... C'est trop classe. Ah non, que je... Bah si, si, si. Ça peut pas être le mec qui est dans la vigie. Briller dans les ruines de la Cinabille. Pas faute d'avoir remis le phare en marche. Bon, à mon avis, il faut que je retourne au cimetière dans le dans la crypte familiale là parce que enfin, j'essaie d'y accéder. Espoir perdu, ça ne sert strictement à rien. Merde.
Là, je le confesse, je suis quelque peu perdu. Je suis parti pour errer sans but. Ça et ça, non. Pas qu'il faille installer le disque là-dedans. D'admirer le phare d'un autre. Le phare est de nouveau en état de marche et il projette sa lumière sur les alentours. Ah oui, non, c'est la clôture cassée. Oui, non, pardon. Je crois que c'est un nouvel élément. Peut-être j'avais échappé. C'est pas pour tout de suite la ancienne abbaye. Je vais le rendre fou. J'ai pas besoin de faire plus de bruit.
phare marche correctement. Avec un peu de chance, sa lumière me permettra de trouver la fresque dans l'ancienne abbaye. Ouais, sauf que là, j'ai toujours pas trouvé. Franchement, j'y retourne troisième fois depuis que le phare a allumé et y a rien d'à... Par monde. Un nom particulier, un moment précis, je sais pas. Ah oui! La lumière a révélé la présence d'une fresque sur les pierres, exactement pour Brigitte, il y a près d'un siècle. D'accord. Dans le journal intime, la lumière du phare avait révélé les yeux de la sentinelle. Ça? Deux yeux diaboliques semblent briller dans l'obscurité. La gueule de la sentinelle est grande ouverte. Et ça m'apporte quoi? Mettre le disque sur sa tronche? Ah oui. L'entrée secrète est ouverte maintenant. Quel était ce bruit? Eh ben, il y a quelqu'un qui a foutu le feu au... dans de paille là. Voilà, c'était sûr. Toujours pareil. Tiens, tiens. Le symbole a l'air familier, un cercle hérissé de pointes. C'est peut-être le soleil. La statue de Madone. Une statue de Madone. Mais elle a quelque chose de bizarre. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus cependant. Oh bordel. La galerie s'enfonce profondément dans la terre. Est-ce que je vais trouver la crypte de Leysen tout en bas ou quelque chose? Dieu, je sens mon courage faiblir. Kaufman, mon ami, je ne suis pas digne de votre confiance. Je ne peux pas, non. Je dois persévérer. Bah, c'est surtout que tu y vas sans lampe à huile, c'est un peu con. Dispersées au hasard sur le couvercle du cercueil. On dirait qu'elles sont tombées ici depuis la colline, il y a longtemps de cela. Elles sont couvertes de notes écrites d'une main tremblante. Ah bon? Fond de ce terrier impie, cœur du thé, Kronmaidan, pire cauchemar rampe et meurt. Ici reposent les intrépides, ceux qui ont osé s'aventurer dans le repaire de l'oiseau et du serpent. Chacun de ces hommes et chacune de ces femmes ont traversé le chemin intermédiaire. Ils ont marché à travers la brume, jusqu'à l'autre côté.
vérité où l'ultime vérité hurle de peur et ils en sont revenus. Ce sont mes ancêtres. Parmi les pierres inanimées du Kron Maidan reposent les fiers Leitsend, réduits à pire que cendre et poussière. Ce blasphème dans le cercueil serait le véritable héritage de tant de mères. Non, je n'accepterai pas de connaître ce destin. L'inscription sur le cercueil est si usée que j'ai du mal à lire le mère Leisten. C'est pas, c'est la grand-mère. Profanation. Profanation. Quiconque cherche la vérité sacrifiera la sagesse. Afin d'ouvrir la voie du s'épanouit le Fernog. Votre progéniture nous accueilleront, sa menace cachée. Seule la lumière de votre signe la purifiera. Par Jusky. Description de la tombe proposée par Isdudeliness. Isdudeliness. Description de la photographie proposée par Amholz. Amholz. Je sais pas comment prononcer. Description de la photographie proposée par Red Rubin. Encore lui, évidemment. Description de la niche proposée par Cartrag. Bah avec le final là, on dépasse symboliquement l'heure pour l'épisode là, exceptionnellement. Description du toit proposée par 051 Tonkin M. Je crois que j'ai même pas lu la description du toit. Description du lit proposée par Michael Chul. Non mais Michael Doulou. Description de la statue proposée par Joski. Description de la fenêtre proposée par Future Cubic. Future Cubic.